Jennifer, candidate de la sixième saison de Mariée au premier regard, continue de rester proche avec ses abonnés depuis la diffusion du programme. Ce dimanche 10 juillet 2022, elle leur a partagé une très grande nouvelle sur son compte Instagram. Cette année, la sixième saison de Mariée au premier regard a été un véritable rendez-vous hebdomadaire pour les téléspectateurs de la chaîne M6. Ces derniers ont pu découvrir des profils très différents, mais tous autant attachants les uns que les autres. Parmi les candidats de cette année, les Français ont pu faire la connaissance des Alicia et Bruno, mais aussi de Pauline et Damien, deux couples encore ensemble près d'un an après leur mariage. D'autres n'ont malheureusement pas eu de coup de foudre pour leur partenaire. C'est le cas de Caroline et Axel, pour qui la relation s'est très vite détériorée, notamment entre eux, mais aussi avec les deux experts. Pascal de Sutter et Estelle Dossin. Mais ce ne sont pas les seuls. Pour Jennifer et Eddie, l'aventure a été particulièrement compliquée, à cause du blocage de la jeune femme. Si les ex-mariés n'ont pas souhaité rester ensemble après l'expérience, les deux nordistes sont restés en contact et continuent de se voir régulièrement aujourd'hui. Jennifer fait une grande annonce sur Instagram, ce dimanche 10 juillet 2022. L'ex-compagne d'EDDY a annoncé une très grande nouvelle sur son compte Instagram, à la surprise de tous. « Il est temps de vous l'annoncer », écrit-elle avant d'en dire plus sur cette annonce qui lui tient à cœur. En effet, la jeune femme va participer à la cinquième édition de la Marche des Champions, fondée par Yannisport. « Nous allons partir à pied, de Paris jusqu'à Saint-Malo, 350 km au total à parcourir. Un départ sans eau, sans nourriture, sans argent. Juste par un réapprovisionnement de la communauté des réseaux. Avec un seul sac à dos, pour dormir, au bord d'une route, à la belle étoile, peut-on lire sur sa légende d'une publication où elle apparaît avec son père. Car oui, elle sera accompagnée de l'homme de sa vie pour cette aventure hors du commun qui démarrera le 27 juillet prochain.